Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tant attendue que je vous avais parlé lors de la box que j'ai ouvert du bébé de mon ami, s'agissant du bébé à refaire. Du coup je vais d'abord le peser parce qu'il faudra bien voir combien il pèse hein, quand même. Je préfère voir combien il pèse quand même pour voir après combien il pèsera à la finition. Donc petit bébé pèse 1,510 kg, donc 509 maintenant. Bon, il est dans les 1,5 kg, donc pour sa taille je trouve que c'est rien, parce que ce kit normalement mesure je crois 50 cm il me semble, 49, 48 ou 50 cm. Du coup c'est pour un bébé de sa taille, non c'est rien du tout. De base il devrait au moins peser 2 kg. On va tout simplement enlever sa tête déjà. Donc ça risque d'être un peu choquant pour certaines personnes. My god! Oh non, mais c'est pas possible. En fait ça risque d'être choquant dans le sens celles qui n'aiment pas voir les bébés démembrés, hein, je dis. Alors j'ose même pas mettre les doigts dedans parce que je vois ce qu'il y a dedans. Déjà, oh my god, c'est un truc fait maison déjà. Oh my god, c'est dégueulasse. Il y a carrément des cheveux qui sont nus avec. Donc en fait il s'agit d'un pochon fait maison avec des aiguilles super dangereuses. Donc voilà, avec je ne sais pas quoi dedans, hein, mais en tout cas il y a encore la colle des cheveux qui sont là. Oh, c'est dégueulasse, presque envie de mettre des gants tellement que c'est dégueu. Alors elle a agrafé en fait, donc c'est des agrafes. Elle a fait un sachet avec des agrafes. Elle peut pas s'acheter des collants apparemment. Ensuite, il y a de la ouate, donc apparemment, oui, il y a de la ouate, donc la ouate normale, hein, ça, heureusement, on va dire ça, heureusement. C'est dégueulasse, j'ai presque envie de mettre des gants tellement que ça me répugne. Voilà, et ici, c'est tout jaune, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tout jaune, c'est dégueulasse, vraiment. Déjà, on rembourre pas avec un vêtement dedans parce que c'est dangereux, ça peut vite moisir. J'enlève la ouate et je reviens vers vous tout de suite. Donc, la tête, c'est fait. My god, mais c'est quoi ça? Ah! Je file mettre des gants. Je suis obligée, je pouvais mourir aujourd'hui. Donc je m'attends, vu le corps et puis la tête, je m'attends vraiment au pire des membres. Donc là, on a de la ouate. Elle a quand même mis de la ouate. Hein. Donc j'ai mis un gant. Non mais elle est sérieuse. Alors son bébé, je pense qu'il est moisi. Hein. Ça, de toute façon, il n'y aura pas, de doute. Deuxièmement, si vous voulez vous faire un riz au curry, vous pouvez. Hein. Donc voilà. Elle a mis du riz dedans. Non mais... Y a de ses non mais regardez, elle a mis du riz. Mais du riz? Mais quelle idée de mettre du riz? Non mais, alors là non, ça c'est une pseudo riborneuse, je suis désolée. Parce que s'appeler riborneuse en mettant du riz, non. Quand on, même si une riborneuse arrive à débuter, elle sait très bien faire les choses correctement. Ça c'est quelqu'un qui se prétend riborneuse et qui fait n'importe quoi. Je suis désolée, ça c'est mes rites. Je déteste les ficelles, c'est ridicule parce que les membres peuvent vite partir en couille. Et non mais je suis là, je suis en mode vénère parce que des gens comme ça, ça mérite même pas de faire des bébés et de les vendre quoi. 200 cacahuètes pour un bébé avec du riz, c'est comme si mon amie avait payé je sais pas combien elle a payé son bébé, mais si elle a payé je pense 200 francs ou 260 francs pour du riz en fait. C'est comme si elle avait payé son riz de 100 balles, quoi. Non, mais en plus... Oh, mais c'est dégueulasse. Il y a même du moisi. Non, mais il y a du moisi dedans. Oh, il y a du moisi dedans, mais c'est dégueulasse. Oh, mais jamais de la... Oh, heureusement que j'ai mis des gants, hein. Il y a une pâte à vaisselle dedans. Non, mais il faut m'expliquer, hein. La meuf, elle met de la pâte à vaisselle dedans le corps. Non, mais le corps, je vais le jeter, hein. Je suis désolée, je le garde pas. Ah, oh, il est moisi. Il y a plein de moisi dedans. Non, non, le corps, je garde pas, hein. Il y a des bouts de ouate, il y a des bouts de je sais pas quoi, hein. Je sais même pas ce que c'est ces trucs jaunes. Il y a une pâte à vaisselle dedans rembourrée de riz. Bien évidemment, c'est tout du riz, hein, vu qu'elle a rembourré tout de riz. C'est pas des granulés, c'est pas des trucs en plastique, c'est du riz. La nourriture,
dans un bébé reborn. On met pas un riz dans un bébé reborn, je suis désolée. À un moment, il faut quand même s'arrêter, quoi. Donc maintenant, on va passer au décapage, tout simplement. Donc je vais faire comme vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos. Je vais simplement décaper avec de l'acétone sur tous les membres, enlever les cheveux, essayer de... Comme il n'y a pas beaucoup de cheveux, il n'y a pas besoin trop de poncer la tête. Je vais simplement enlever les cheveux et les décaper, et puis on verra bien ce que ça peut donner. Mais du riz, mais imaginez. Du riz. Puis il va falloir aussi enlever les cils, qui je ne sais pas comment ils ont été implantés, mais franchement c'est triste quoi. Faire un riband pour mettre du riz dedans quoi. Franchement non, je suis déçue de ce genre de personne, sérieux. Bon, voilà, petit Elliot démonté. On va falloir maintenant le décaper et puis je vous reviendrai tout de suite tout à l'heure quand il sera décapé pour vous montrer ce que j'ai pu faire.